Bonsoir. Bon, avant de commencer, juste préciser, je m'appelle Jean-Thomas Jobin, mais ça a passé non pas à ça, mais à ça, que je m'appelle Pierre Desmeules. Et à... Imaginez-vous que mon bras reste là, OK? Et à genre... Ça, que je m'appelle Joanne Michaud. Et à... Je sais pas si c'est dans le fond, au balcon, qui peut mettre votre main de même, s'il vous plaît. Et à... OK, dans le fond... Ben, ceux dans le fond, ben salut, qui c'est que vous voulez que je vous dise? Bon, ça fait à peu près 2 semaines que je me casse la tête pour essayer de trouver la pire phrase pour commencer un bloc d'humour. Fait que j'ai cherché, finalement je me suis arrêté sur « Je me demande bien ce qu'il fait à soir, Georges Moustaki. » Pas si pire, finalement. Bon, pour se mettre en jambe, je vais raconter une petite joke qui est comme ma marque de commerce, vous l'avez peut-être sûrement déjà entendu. Savez-vous c'est quoi la différence entre quelqu'un qui a un frisson et quelqu'un qui en a pas? Brrr. Bon, parfait. Hier, j'ai été témoin d'un très grave abus et ce soir, j'ai décidé de le dénoncer. J'étais dans un comptoir de crème glacée où il y en avait vraiment pour tous les goûts, mais surtout pour ceux qui avaient le goût de manger des affaires à crème glacée. Je faisais la file au comptoir quand le client qui me devançait dans l'allée a demandé au commis « Je prendrais un cornet à la crème glacée dure au chocolat avec 2 boules, s'il vous plaît. » Le commis pouffa de rire et répondit aussitôt « Monsieur, vous êtes fou. Vous n'aviez pas besoin de spécifier que vous voulez que la crème glacée soit dure. Je l'ai compris quand vous avez dit que vous vouliez 2 boules avec la crème glacée molle. On ne peut pas faire 2 boules. » Puis le client changea d'idée. « Je prendrai une 3e boule, s'il vous plaît. » « Monsieur, une 3e boule? Et vous êtes un bon élève en plus. Vous n'avez pas spécifié que vous voulez que votre 3e boule soit dure. Bravo, capitaine. » Puis, on demanda une 4e, une 5e et même une 6e, jusqu'à ce que le commis dise « Mais monsieur, c'est beaucoup trop de boules. Vous abusez des boules. » Voilà l'abus que je vais dénoncer. Mon Dieu, que ça fait du bien de dénoncer. On reproche aux artistes de ne pas se mouiller assez, de ne pas faire assez de dénonciation sociale. Mais moi, je viens de me donner la piqûre en dénonçant ce très grave abus de boules. J'ai plusieurs opinions à émettre sur les fléaux dans notre société. Écoutez bien ça, ça va fesser. Et au Québec, là, ça ne va pas bien. La politique, franchement. Le fédéral, hey. Le cabinet ministériel, wow. Mais tout d'abord, le fédéral, hey et re-hey. Le gouvernement, wow et re-wow. On dirait que nos politiciens se moquent de nous. On rit de nous en quelque part, là. Souvent, parfois, nos politiciens sont pas corrects. J'ai l'impression que souvent, ils nous racontent des menteries. Tu sais, c'est con. C'est le fait de me trouver incendiaire, moi, me faire mentir, je trouve ça plate. On est censé avoir confiance en eux, mais là, avec leurs agissements, ce que ça occasionne, c'est qu'on a moins confiance en eux. Hein, j'ai la langue bien pendue, hein? C'est rendu que j'ai moins confiance en nos politiciens qu'en quelqu'un à qui j'ai confiance. C'est pas peu dire. Ça, Pristi, il faut se réveiller. L'autre fois, il y a des politiciens qui sont fait prendre en train de faire du lobbying, mais on n'y a pas le droit de faire ça. J'en fais-tu, moi, du lobbying? Non, bon, ben, c'est ça. Ben, je suis un beau fusil. Le budget, hey, nos finances, wow. On dirait que ces gens-là ne savent pas compter. On a une super grosse dette. Coudonc, ils ont-tu des calculatrices, ces gens-là? Le pays doit plein d'argent, c'est pas agréable. Ça, c'est pas seulement une petite erreur de calcul. Une petite erreur de calcul, ça se tolère, mais là, c'est des milliards. Fait que des milliards de fois, wow! Ça n'a pas de bon sens. On est dans le rouge, c'est dol. Monsieur le ministre des Finances, j'ai quelque chose à vous dire qui va peut-être vous jeter en bas de votre chaise, là, mais je suis tanné du déficit. Moi, quand on a des dettes, là, j'aime pas ça. T'sais, on a l'air d'un pays endetté. Torpinouche. Puis être fortement taxé, ça non plus, j'aime pas ça. On est le pays le plus taxé au monde. En plus, moi, j'aimerais qu'on soit le pays le moins taxé au monde. Ce serait bien plus le fun. Non, je n'entends pas à rire. Parce que si j'entendais à rire, je rirais, mais là, je ne ris pas. Je ne ris pas. C'est en majeure partie à cause de la dette. Si le ministre des Finances nous disait « Dorénavant, j'ai l'intention de mieux calculer », je ne dirais pas « Non, 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 ne faites pas ça », je dirais « D'accord. Hey, je suis bon pérard. » Jean Charest, hey. Landry, wow! Dumont, mais oui, mais les politiciens semblent tous formés dans le même moule. Ça m'inspire cette petite blague. Savez-vous c'est quoi la différence entre Dumont, Landry et Jarret? Il y en a pas les 3, je ne les aime pas.
Ben, je suis dans une forme dangereuse. Parfois, je suis tellement tanné de ce qui passe en politique que par dépit, j'ai le goût de dire Moses. C'est pas bon signe, j'ai le goût de dire Moses. J'attaque un véritable guerrier. Paul Martin, franchement, hey, pis wow. Tu montres ce gars-là, c'est le gars qui dirige le moins bien le Canada au monde. Hey, je mitraille, ça n'a pas de bon sens. Vous, arrêtez-moi quelqu'un. Jean Chrétien, il était temps qu'il s'en aille, lui. Sa bouche n'était pas normale. Je vous jure, quand il a annoncé son départ, je n'ai pas dit « Ah non, Jean, reste donc. » Oh que non. Jean Charest, mais oui, mais il a l'air fou, cet homme-là. Il frise, ça n'a pas de bon sens. Hein, je tire sur tout ce qui bouge, hein? Bang, 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 ça n'arrête plus, un vrai tireur d'élite. Le système de santé, coudonc, qu'est-ce que ça va prendre avant que l'on ne réagisse? Des décès? Des gens qui meurent? Des gens qui... Des décès? J'ai un petit conseil à ceux qui travaillent en santé. Soignez donc ceux qui ne filent pas. Ben, je suis un petit pépère. Le prix de l'essence, c'est rendu ça me coûte plus cher d'aller tanker que de m'acheter un paquet de gomme. C'est pas normal. Non, monsieur. Puis non, madame, je parle aux deux sexes. Le débat sur la légalisation du pot, moi, j'arrive pas à me brancher par rapport à ce débat-là. Il y a des jours où je me dis que ce serait une bonne chose. Il y a des jours où je me dis que ce serait une mauvaise chose. Il y a des jours où ben, je pense pas à ça pantoute, puis je me dis juste que c'est une super de belle journée.